Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Maîtrise de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, de l'économie, pour voir qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir Dans cette vidéo, nous allons analyser des actions concrètes. Je vais vous présenter une stratégie qui s'appelle le short squeeze. Je trouve que cette stratégie elle est intéressante. Elle est peu connue parmi les investisseurs particuliers, mais c'est une des rares stratégies du trading que moi je trouve assez intéressante d'avoir dans son arsenal. Je vais vous montrer quelques exemples d'application de cette stratégie sur les cas concrets. Là, typiquement, là, j'ai actuellement un trade qui fait partie de cette stratégie. Mais nous allons aussi parler, évidemment, de la macro, des, des grandes actualités qui ont été publiées la semaine passée. Nous allons parler également un petit peu de la géopolitique, parce qu'il y a eu des événements importants la semaine dernière. Et nous allons voir aussi les statistiques macroéconomiques qui, aujourd'hui, dirigent quelque part les marchés, parce que c'est les statistiques qui nous donnent un petit peu une idée sur l'ampleur de l'inflation et de la hausse des prix dans lesquels nous vivons actuellement. Avant de commencer cette vidéo comme d'habitude, je vous invite à mettre un like s'il vous plaît, c'est super important. Ça m'aide de développer cette chaîne gratuite pour vous, ça coûte rien, n'oubliez pas de mettre la pouce bleue, s'il vous plaît, c'est très très important. Je vous rappelle qu'il existe la chaîne Telegram où je suis présent toute la semaine, je peux répondre à vos questions, je fais des publications durant toute la semaine et également mon blog sur mynecash.fr. Donc là, je vous attends sur tous les réseaux, les sites, les ressources internet où je suis présent. Euh, je suis désolé d'ailleurs pour euh, le café de dimanche dernier parce qu'il y a eu un problème de micro. J'espère qu euh, que cette fois ça, ça a été réglé. Donc je fais tout le nécessaire. Bon, c'est un peu parfois un peu compliqué euh, parce que quand on est en plein milieu de la vidéo, il y a eu un problème. Après, on, on a déjà tout fait et c'est trop tard un petit peu de corriger les choses. J'ai pas eu le temps malheureusement. J'apporte mes excuses pour la mauvaise qualité de son dans la dernière vidéo de café du dimanche. Au début de cette vidéo également, je voudrais vous poser la question que j'aimerais bien en structurer mes vidéos de manière un petit peu différente parce que j'ai pas mal de critiques, que mes vidéos sont parfois longues, j'essaie d'être synthétique mais j'arrive jamais parce qu'il y a tellement de choses à, à dire. Par exemple aujourd'hui j'aimerais bien aussi parler des actions chinoises mais, mais je ne sais pas si on aura le temps, j'essaie de rentrer on va dire dans 40-50 minutes maximum. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de sujets qui, sont, qui vous intéressent, parce que selon les personnes, certaines personnes s'intéressent aux actions chinoises, d'autres sur les actions américaines, d'autres sur les actions françaises. Donc c'est un peu compliqué parfois. Et j'ai une solution, par exemple, de découper cette vidéo sur des petits morceaux thématiques et après les publier durant la semaine aussi avec, sur des sujets plus ciblés. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est intéressant. Je veux éviter aussi de faire trop de publications parce qu'après ça vous fait des pop-up. Certaines personnes sont gênées, vous savez, par, les, par ce genre de des choses qui arrivent en permanence. Donc, du coup, je, peux, je demande votre avis. Est-ce que vous pensez que ce système de communiquer le contenu vidéo vous convient ou Plutôt qu'avoir une grande vidéo avec des chapitres, j'essaie de mettre les time codes. D'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, il y a des time codes dans YouTube. Vous pouvez passer sur le sujet suivant si. En des sujets ne vous intéressent pas particulièrement. Voilà, maintenant nous allons commencer. Donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé On va regarder tout de suite les euh, statistiques macroéconomiques qui ont été publiées parce qu'encore une fois, je vous rappelle le contexte, bon, je, je n'ai pas envie de répéter à chaque fois la même chose dans les cafés de dimanche, c'est que nous vivons dans euh, le contexte de l'inflation. En fait, tous les yeux des investisseurs sont rivés sur l'inflation et sur les attentes de la politique future de la Réserve fédérale. En fait, on a, on a eu à boire et à manger cette semaine parce que... Donc il y en a eu différents représentants de membres de bord qui ont eu des discours différents. D'un côté, la réserve fédérale n'a pas promis le pivot. Qu'est-ce que c'est le pivot d'ailleurs Parce qu'on parle beaucoup de ce, de ce mot pivot, et ça c'est vu comme un graal en fait, de, pour les investisseurs, que dès que la Fed va annoncer ce fameux pivot, dans ce cas les marchés vont tous repartir à la hausse. C'est vrai qu'à court terme ils vont repartir à la hausse, on l'a déjà vu, après la dernière publication des CPI il y a deux semaines, quand les CPI sont pour, pour la première fois depuis, je ne sais pas, six mois qui sont ressortis mieux qu'attendu. Et on a vu que l'inflation elle Bon, c'est difficile de s'exprimer parce que... L'inflation, continue à être très élevée, elle continue à monter, mais la vitesse avec laquelle l'inflation accélère, elle a diminué. Vous voyez, donc on est un petit peu dans, le, dans des trucs un peu bizarres. Et donc, on est toujours dans un contexte super inflationniste, et pour l'instant, il n'y en a aucune raison pour faire ce fameux pivot. Mais c'est quoi ce pivot cest à dire que le changement de la politique monétaire. J'ai l'impression que, selon le perso, on ne sous-entend pas la même chose par le terme « pivot ». Pivot, cela veut dire qu'aujourd'hui, la politique monétaire de la réserve fédérale, c'est de monter les taux et de réduire la liquidité sur les marchés. Donc, pivot, c'est quand Cela veut dire qu'ils vont faire un retour en arrière, donc faire le changement de la politique à 180 degrés. Ils vont commencer à baisser les taux, mettre en place les quantitative easing comme on le faisait pendant 10 ans depuis la crise des subprimes. Et ça, ça sera un vrai pivot. Après, certains sous-entendent par le pivot que juste ils vont arrêter de monter les taux. Non, attention, ce n'est pas le pivot, c'est juste qu'ils arrêtent de monter les taux et ils peuvent laisser ces taux sur des niveaux extrêmement élevés. Voilà mes amis, excusez-moi, j'ai dû changer le micro parce que je me suis aperçu que ça commence à un peu faire les bruits, je vais peut-être devoir le changer. Et donc, je vais continuer à, avec mon casque sur la tête. Ça va faire bizarre un petit peu. Bon, désolé. Donc, j'espère que ça va résoudre le problème de son. Et euh, je vais continuer. Donc, du coup, je pense que la réserve fédérale, actuellement, elle essaye de tester les marchés financiers pour jusqu'à où on peut aller. En gros, elle monte un petit peu, un petit peu à chaque fois les taux pour voir dès que ça commence à créer des phénomènes de bord, dès que ça commence à créer des tensions sur le marché de dette. Et elle va arrêter, ou bien sur le marché d'action d'ailleurs, parce que les marchés d'action c'est très important pour euh, les États-Unis, sachant qu'il y a énormément de, de fonds de pension, énormément d'investisseurs, bah, pas que des investisseurs, les citoyens américains sont lourdement investis sur les actions. Donc ça, c'est une grande particularité des États-Unis par rapport à l'Europe. Euh, et là, mon je vais revenir sur les statistiques macro qui ont été publiées cette semaine. Donc là, je regarde PPI. PPI, c'était une bonne nouvelle au début de la semaine. C'est quoi le PPI d'ailleurs C'est euh, un sondage qui fait d'après les, euh, les CEO, d'après les directeurs généraux, ils leur posent la question est-ce que votre carnet de commande augmente ou il diminue En fait, est, ça représente en quelque sorte le, le futur économique, l'avenir euh, des, euh, des chiffres d'affaires de ces entreprises. Donc, du coup, il est ressorti moins bon que prévu, mais nous sommes comme d'habitude dans le monde inversé, le monde qui, où les mauvaises nouvelles sont prises comme des bonnes nouvelles parce que. Moins, moins ça marche euh, mieux, c'est pour l'inflation parce que plus de chances qu'il y ait une récession. Et récession, aujourd'hui, dans le paradigme des marchés actuels, euh, c'est une, euh, une comprimée contre euh, l'inflation en quelque sorte. Mais il faut bien comprendre que les marchés sont souvent décorrélés euh, des... Euh, fondamentaux. Donc, c'est vrai que on peut dire que à court terme, effectivement, la récession peut résoudre le problème de l'inflation, mais on ne peut pas dire euh, raisonnablement que la récession c'est bien, n'est-ce pas donc, euh, donc, du coup, on doit oublier, être obligé d'analyser séparément la, les fondamentaux et analyser séparément la, la bourse, parce que la bourse, à court terme, elle réagit souvent sans tenir compte des fondamentaux. Elle prend le focus. Sur quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'inflation. Et dès qu'il y a une bonne nouvelle, elle monte. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, elle baisse. Il ne faut pas oublier que les bourses, c'est très, très émotionnel. Concernant les autres statistiques macroéconomiques qui ont été publiées cette semaine, elles étaient beaucoup plus inflationnistes. Par exemple, le core retail sales, c'est les ventes au détail aux États-Unis, ils sont ressortis bien plus haut que prévu. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un indicateur que l'inflation n'est pas résolue. Donc OK, on a eu le CPI, le CPI a été meilleur que prévu, mais bon, un chouïa meilleur, mais, mais le problème est toujours là, les prix sont élevés, l'activité économique monte, donc les RTLC augmentent, là on s'approche au Black Friday, on s'approche au Fed, donc ça va encore mettre la pression sur les prix. Donc voilà, ça, il faut tenir compte que pour l'instant, même si les marchés ont rebondi, rien, rien n'est garanti donc et surtout personne, sauf quelques investisseurs qui parlent de pivot de la fed, il n’y a aucun raison fondamentale, encore une fois, pour passer à ce pivot. Voilà, ça c'est ce que euh, concerne la macro des publications macroéconomiques. On va regarder vite fait notre table de bord, après on va passer sur l'analyse technique des indices. Alors, la performance des indices, euh, bon, c'était assez stable, en fait. On était à une légère baisse sur SP500, une baisse de, de l'ordre de 1% sur Nasdaq, donc rien de bien grave. Donc, les marchés se stabilisent après la forte hausse de la semaine précédente. Donc, nous voyons que Eurodollar, donc, elle a repris en tout petit peu donc là on a repassé au-dessus de la parité donc ça c'est déjà pas mal euh, euro CHF euro CHF je regarde beaucoup comme un indicateur vraiment de stress parce que là, le CHF elle est vue comme une devise refuge refuge par excellence donc là elle est toujours plus chère que l'euro donc ça c'est vraiment historique donc euh, le franc suisse reste très très recherché le 10 ans américain ça c'est vraiment une très bonne nouvelle parce qu'on est repassé largement en dessous de 4% moi je trouve c'est un très bon indicateur mais par contre j'y vois une certaine irrationalité, tout simplement parce que aujourd'hui, la réserve fédérale elle parle de la suite de la hausse des taux et le, le disant américain il ne presse que comme s'il n'y aura pas presque plus de hausse. On parle déjà de taux directeur supérieur à 5% l'année prochaine, et donc là, le taux quand, le, quand je vois le 10 ans en 3, 3,8, 3, désolé, je n'y crois pas trop pour le moment. D'ailleurs, dans une des précédentes vidéos, je vous ai parlé des ETF obligataires, le fameux TLT, vous vous souvenez, parce que j'ai émis cette idée d'investissement à plus long terme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le 10 ans américain, nous pouvons figer un rendement de 4%, et à l'époque, quand j'enregistrais cette vidéo, les taux américains, on était à 4,2. Je crois. Donc c'est vrai qu'à long terme, d'avoir le rendement en 4,2. Bon, évidemment, dans l'hypothèse qu'un jour l'inflation va se calmer, c'est peut-être une bonne nouvelle. Acheter un ETF obligataire euh, sur sur le 10 ans américain, c'est le TLT. En fait, il n'y a pas que le 10 ans. En fait, il y a plusieurs maturités, mais ce sont des maturités euh, long terme que vous pouvez trouver dans ce dans cet ETF. Et en gros, il va monter. Ce ETF, il va prendre de la valeur si les taux baissent, parce que le marché obligataire, il fonctionne de cette manière. Quand les taux montent, le prix en dollars de l'obligation, il baisse à l'inverse. Donc, quand les taux baissent, le prix monte. Et donc là, si vous avez investi déjà dans ce TTF à l'époque quand j'en ai parlé, vous serez déjà un petit peu gagnant parce que à l'époque les taux, étaient supérieurs à 4%. Euh, pour l'instant, je suis assez, je n'ai pas investi moi-même dans ce TFTT, mais je, je garde cette idée dans l'esprit parce que je ne suis pas certain vraiment, pas certain que la hausse des prix, hausse des taux pardon de la Réserve fédérale est terminée et je ne suis même pas certain qu'elle soit proche à la fin. Donc il faut vraiment voir qu'il y ait des premiers indicateurs que la Fed va faire au moins l'arrêt de hausse des taux, au moins. Déjà, il en parle qu'il va faire peut-être monter moins vite qu'elle le fait cette année, mais ça ne va rien dire qu'il va arrêter de le monter les taux. Déjà, il faut déjà être sûr qu'il va arrêter de monter les taux, et après, peut-être, ce sera le moment on a commencé à se positionner sur cette TF. Donc je pense que c'est déjà être intéressant à surveiller, mais peut-être il faudra attendre un tout petit peu pour euh, s'y positionner. Voilà, pour le pétrole, j'ai rien à dire, donc ça a baissé un tout petit peu, mais bon, le pétrole réagit maintenant à euh, tout un tas de, de phénomènes. Euh, ensuite, le VIX, le VIX, il a bien redescendu. Je vous rappelle ce que c'est le VIX, c'est l'indice de la peur, c'est un indice qui est calculé avec des marchés, des options, et d'ailleurs, je vous rappelle que... Euh, J'ai une formation, en option, c'est un instrument, d'ailleurs dont on va parler dans la deuxième partie de cette vidéo, qui, euh, et c est, c est, cet indice, il représente la nervosité des marchés. En gros, c'est une indice de la volatilité implicite sur euh, les indices S&P 500. Voilà, donc, là, il est rotation du 1,23, 3, c'est très bas, c'est très bas par rapport au risque que nous avons sur la table aujourd'hui. Là, ces dernières semaines, très volatiles, on était au-dessus de 30. Donc ça, c'est déjà quelque chose, c'est une zone de nervosité, ce n'est pas une zone de crise. Juste pour vous, pour vous donner une, un ordre d'idée, c'est que VIX, quand, pendant la période des QI, quand la, la Banque centrale intervenait régulièrement sur le marché, elle reste, il restait autour de 16-17, même en redescendant jusqu'à 14. Vraiment, c'était le les plus bas historiques, en tout cas ce que moi j'ai vu. Dans ma pratique du trading. Et euh, au plus haut, pendant les grosses crises comme Covid, comme euh, sa Prime, elle montait jusqu'à 60-70. Ça, C'était vraiment les pics des crises. Le problème de cet indicateur, que ce n'est pas un indicateur avancé. Donc, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, euh, il, il y a ou il n'y a pas de nervosité, mais vous ne pouvez pas nécessairement se projeter avec parce qu'en fait, vous constate ce qui s'est déjà passé. Maintenant, nous allons passer à l'analyse technique. Nous allons regarder qu'est-ce qui s'est passé sur l'indice S&P 500. C'est assez logique, vous voyez. Donc, encore une fois, mon modèle technique pour l'instant, il n'est pas cassé. J'avais des doutes la semaine dernière, comme vous vous souvenez. Si vous avez réussi de regarder la vidéo avec le problème de son que j'ai eu, et je disais que probablement après ce rebond post-CPI, le rebond qui a, comme je vous ai dit, provoqué tous ces, toutes ces rêves, tous ces fantasmes que la Fed va faire sur ce, sur ce fameux pivot. Euh, ça sera en test pour mon modèle technique. Pour l'instant, il a tenu, comme vous pouvez le voir. Donc c'est quasiment parfait. Bon, Pour ceux qui doutent que l'analyse technique fonctionne, vous pouvez exactement voir qu'on s'est arrêté sur la moyenne mobile de 200 jours. Donc cela veut dire que ce rebond que vous voyez ici, ce rebond qui était quand même assez puissant, on peut regarder sur des niveaux plus bas et plus haut. Donc on a pris qu'un 13% assez rapidement sur l'indice SP500. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et euh, c'était quand même un rebond technique. Donc si c'était un rebond basé sur des fondamentaux... Solide, on, on, se, on pourrait passer très facilement toutes les résistances parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, quand on était vraiment proche de 3006, euh, les valorisations de SP 500 étaient très attractives. Mais finalement, nous voyons que la puissance de ce mouvement haussier était suffisante pour traverser la moyenne mobile des 50 jours, mais les 200 jours restent franchissable et en plus il y a des euh, résistances techniques euh, sur certains niveaux qui sont très proches à cette moyenne mobile. Vous pouvez voir que c'est une résidence intermédiaire. Comme je disais, je vais me répéter un tout petit peu par rapport à ce que je disais la semaine dernière c'est que moi je vois vraiment le rebond jusqu'à euh, 4180 comme le niveau maximal pour SP 500. Au-dessus de 4180, pour moi, c'est déjà euh, la remise en cause de mon modèle technique. Donc il faudra la revoir, c'est normal, parce que toutes les techniques, tous les modèles, ils expirent à un moment donné. Mais ça va être un signal pour moi qu'il faudra revoir éventuellement le modèle. Peut-être quelque chose qui a changé structurellement, et il faudra éventuellement proposer un autre modèle. Pour l'instant, je ne change pas mon avis. Pour l'instant, 4180 n'ont pas été à temps. Il y avait un autre niveau beton, pour moi, 4003, mais moi, j'ai du mal à croire qu'on va arriver jusqu'à là. En fait, dans cette zone, entre 4000... 180 et 4003, je, je serais dans une position hésitation. Hésitation totale, parce que déjà, je ne comprends pas comment on peut dépasser le, la première résistance de 4180 sans avoir des fondamentaux solides, sans avoir de la visibilité sur l'inflation, sans avoir de la visibilité sur la politique des taux de la Fed. Pour moi, tout cela est nécessaire. Pour moi, je pense que le fameux de rallye de Noël va se dérouler justement jusqu'à ce niveau de 4180 ce qui ne fait pas une, un énorme gain par rapport au niveau actuel. Et ensuite, on va repartir à la baisse. Je ne sais pas sous quel prétexte, peut-être la géopolitique, peut-être encore l'inflation, ou peut-être les deux. Personne ne connaît l'avenir. Mais dans tous les cas, nous devons finir, de point de vue technique, ce modèle correctionnel. Parce qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons actuellement, elle mérite en tout cas la correction qui est similaire par rapport aux grandes crises des années précédentes, notamment la crise de Covid. Ici, et cette ligne rouge que vous voyez en bas, c'est la ligne qui est tirée à partir de la crise de subprimes et elle reflète très parfaitement les points bas absolus des marchés. Aujourd'hui, dans les niveaux actuels, le point bas absolu pour SP 500 est dans les, les alentours de 3000, 3200. Ça, ça sera la zone vraiment de achat fort que j'espère voir un jour. Mais j'espère. Ma position elle est complexe, comme je vous ai déjà expliqué. Ça ne sera pas le sujet de cette vidéo. Que moi je gère mon portefeuille principal où il y a beaucoup d'actions, il y a toujours beaucoup de positions. Et j'ai aussi des positions spéculatives, principalement avec des produits optionnels. Voilà. Donc en gros, du point de vue technique, rien n'a changé pour l'instant. Mon modèle technique n'a pas remis en cause. On a vécu effectivement le rebond. Euh, technique dans un, euh, dans un cycle baissier, dans cette vague baissée qui peut être plus ou moins longue, vous savez que les bullruns arrivent Très souvent, pendant, que, pendant la baisse des marchés, donc on l'a vu pendant le Covid, on l'a vu pendant les subprimes, en fait, ça s'appelle la volatilité. Quand aujourd'hui, le marché l'a baissé moins 5%, demain, elle va monter plus 4%, après, il va faire encore l'inverse, et finalement, on finit par baisser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Euh, ça va dans tous les sens, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui sur les marchés financiers. Pour l'instant... Côté euh, fondamental, on peut le constater, surtout avec des statistiques qui ont tombé cette semaine, rien n'est réglé. En tout cas, pour moi, dites-moi dans les commentaires si vous voyez des solutions à la crise de, de l'inflation. Pour l'instant, bon, moi, je n'y vois pas. Je ne vois pas pourquoi la Fed devrait changer sa politique. Peut-être vont ralentir la, euh, la, la, la rapidité de la hausse des taux, mais je ne vois pas pourquoi elle devrait faire un pivot et revenir sur le modèle des quantitative easing comme c'était avant. Aujourd'hui, rien ne le justifie. Moi, je vais toucher rapidement ce sujet géopolitique avec la missile qui est tombée en Pologne à côté de la frontière euh, ukrainienne donc j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ma position euh, précédente j'en ai beaucoup parlé au début de l'année de la guerre en Ukraine parce que vous savez je suis d'origine russe donc je suis euh de près ce conflit pour moi de point de vue militaire, de point de vue politique avec le régime actuel en Russie cette guerre elle est perdue donc après la question comment la chute du régime de Poutine va, va se dérouler? Avec combien de, combien de victimes ça va encore générer Ça, ça c'est une question que je ne peux pas répondre. Mais dans tous les cas, de point de vue, on va dire, si on prend vraiment un truc cynique et pragmatique, donc pour moi, le conflit il est presque, presque clair. donc Parce que la, la Russie n'a aucune chance d'atteindre ses objectifs en Ukraine. Après, comment ça va se terminer C'est une, une autre histoire. Les missiles qui ont tombé en Pologne, franchement. Au début, tout le monde a pensé que c'était les Russes qui ont encore qui ont raté. Mais euh, finalement, c'était les missiles ukrainiens de, de leur système anti-missiles qui ont de, les débris en fait, de, ces, de, ces, de ces missiles qui ont tombé en Pologne. Bon, bref, euh, je ne veux pas trop rentrer dans toutes ces discussions parce que c'est assez, euh, assez délicat et ce n'est pas forcément lié à la bourse. Quelles sont les conséquences Moi, je, je pense qu'il n'y a aucune conséquence. Déjà, on peut le constater parce qu'on est euh, quelques jours passés. Maintenant, il y a, les marchés ont complètement oublié de cette histoire. Après, de prendre la vue, de vue politique, c'est vrai que ça va changer éventuellement les discours euh, à Reimstein. Euh, je crois que ce n'est pas la semaine prochaine, mais en tout cas prochainement. Euh, ils vont assurer plus de sécurité euh, sur euh, les frontières de l'OTAN. Et encore une fois, j'attire votre attention à des sociétés euh, d'armement américains qui vont forcément avoir beaucoup beaucoup de chiffres d'affaires à se faire, beaucoup de commandes qui vont venir de tous les pays. Maintenant, les États-Unis deviennent, deviennent presque en monopoliste dans la production des armes, et des armes de pointe, et donc cela veut dire qu'il n'y a pratiquement pas de concurrence. Et les entreprises comme Lockheed Martin, comme Rayton, comme General Dynamics, comme Boeing, même d'ailleurs, Boeing c'est une société qui a beaucoup de problèmes. Ces sociétés peuvent avoir vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. Après, côté éthique, ça chacun décide s'il veut investir dans ce secteur ou pas. Donc, en gros, très rapidement, pour moi, ça ne change rien. En plus, ça a été confirmé que ce sont des missiles ukrainiennes, en fait, ce sont des missiles russes, mais qui étaient utilisés par les Ukrainiens. Et donc, ça ne crée pas, ça ne, ça ne fait pas une nouvelle page dans ce conflit qui est déjà suffisamment désastreux. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller encore plus loin. Voilà, en gros, c'est ça. Et par contre, la deuxième chose qui est plus intéressante à discuter, je trouve, c'est les, les relations sino-américaines. Parce que pendant la rencontre de G20 au Bali, les relations entre Biden et Xi Jinping comment ça s'améliore. En tout cas, il y a des signes d'amélioration, il y a aussi des signes de discours. Et je, le parle, je parle de ça dans le contexte de la guerre en Ukraine parce que j'ai l'impression, c'est très probablement le cas, que les États-Unis, ils cherchent des alliés les moins pires. Donc, ils choisissent la Chine par rapport à la Russie, ce qui est assez évident parce qu'avec la Russie de Vladimir Poutine, c'est très difficile aujourd'hui de construire les relations internationales. Et donc, du coup, ils choisissent de se rapprocher de la Chine pour éviter que la Chine se rapproche de la Russie. Bon, après, on ne va pas encore rentrer dans les sujets géopolitiques, mais dans tous les cas, ça nous ouvre la voie à des perspectives sur des actions chinoises. Et ça, c'est un sujet que j'aimerais bien toucher très rapidement dans cette vidéo. Tout de suite, je vais vous faire un disclaimer que l'investissement dans des actions chinoises doit être fait de manière... Très rigoureuse de point de vue la gestion de risque. Je vous répète à chaque fois qu'il faut faire beaucoup attention au poids que vous affectez pour chacune des lignes de votre portefeuille. Si vous voulez investir dans ces actions où il y a un risque géopolitique gigantesque, je fais un post sur mon blog minecash.fr. Que le risque géopolitique, il est impossible de quantifier. Donc, vous ne pouvez pas savoir comment avoir un chiffre, combien ce risque représente dans votre portefeuille. Aujourd'hui, c'est un petit peu au pif. Vous allez devoir décider que moi, je, je m'expose, genre, à tel, tel pourcentage de mon portefeuille sur l'ensemble des actions chinoises. Euh, attention à ce que je suis en train de dire, que je vous. Dit à chaque fois dans mes vidéos que la diversification est importante. Mais la diversification entre les, chi les actions chinoises pour vous ne fera aucun sens. Parce que toutes ces actions sont affectées par le même risque géopolitique. Parfois, on l'appelle le risque de delisting pour les actions qui sont cotées aux États-Unis, etc. Mais tout cela revient euh, au final au risque géopolitique, au risque des relations de la Chine avec les États-Unis. Vous pouvez trouver la meilleure société au monde qui est cotée en Chine, mais si jamais euh, il y a une guerre entre les, les États-Unis et la Chine, par exemple pour le Taïwan, je ne sais pas quoi, dans ce cas-là, toutes vos actions vont s'écrouler que soit leur qualité. et en plus, n'oubliez pas, j'attire toujours votre attention, que les actions que vous achetez vous rentrez pas le, dans le capital de ces entreprises. il y a une structure financière extrêmement particulière. elle a eu déjà une, vie, une vidéo dans le passé. je vous ai expliqué cette structure. c'est que, en général, les entreprises que vous voyez sur votre écran, ce n'est pas alibaba. c'est une coquille vide qui est souvent enregistrée quelque part sur les îles caïmans, qui a un contrat de... Euh, profit swap entre la vraie société Alibaba et cette société euh, sur les îles Caïmans, je ne sais plus exactement où elle est enregistrée mais quelque part dans des euh, dans des zones euh, fiscalisation euh, très réduites. Et grosso modo cette coquille vide, elle ne fait que répercuter les profits euh, de la société de la vraie société Alibaba sur cette coquille vide dans laquelle vous pouvez investir. Et il suffit que euh, le gouvernement chinois décide de ne plus accepter ce type de contrat swap de profit entre cette coquille et la vraie société Alibaba, tout votre investissement va être lissivé complètement. Vous allez avoir zéro sur votre compte. Et sans que l'entreprise Alibaba mère fasse faillite, faites beaucoup attention. Ce n'est pas la même chose que quand vous investissez dans Amazon ou quand vous investissez dans Alibaba, ça n'a rien à voir. Quand vous investissez dans Amazon, vous êtes propriétaire, vous êtes copropriétaire. De la société Amazon. Quand vous investissez dans ces actions Alibaba, vous n'êtes pas copropriétaire. Vous avez une espèce de proxy, une espèce de dérivé qui peut être arrêté à tout moment par une seule signature d'Oxy Jinping. C'est extrêmement important à comprendre parce que vraiment, ça change tout. Juridiquement, vous n'êtes pas dans le capital de ces entreprises parce que c'est la loi chinoise qui interdit que. Euh, bon, après, je ne sais pas exactement la loi, mais euh, occidentaux ne peuvent pas rentrer euh, dans le capital des entreprises chinoises. Faites beaucoup attention. Donc, du coup, il n'y a pas de diversification qui va vous sauver un investissement sans dans ses valeurs. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que moi je pense. Tout de suite, mettez partout des disclaimers que c'est mon avis, je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement. Moi, je me suis affecté une limite de 3% de mon portefeuille pour toutes ces actions, je ne suis pas encore dedans. Au début, j'ai commencé à investir avec des options. Il y a longtemps, je vous en ai parlé, qu'il est peut-être une bonne idée d'investir avec des options call. D'ailleurs, vous savez Nancy Pelosi qui est en train de partir, d'ailleurs, de son poste. Elle est connue pour ses interventions en bourse. C'est son mari qui fait des interventions en bourse. Je ne comprends pas comment la SEC, en fait, la Security Exchange Commission des États-Unis, n'a pas encore euh, penchée sur ce sujet, c'est qu'elle investit en bourse avec des options, donc elle est tradeuse presque. Et en fait, elle investit souvent en achetant des options cool dans la monnaie, et ça permet d'avoir une exposition sur une valeur, mais par contre, ton downside il Est beaucoup plus limité. C'est ce que moi je fais sur des actions chinoises et c'est pour ça la chute des actions chinoises que vous avez vu, ça a affecté mon portefeuille, c'est sûr, mais ça m'a affecté beaucoup moins que si j'avais investi directement dans ces actions. Donc, ça, c'est vraiment la magie des, des options que vous investissez avec le risque limité et le profit. Euh, le le potentiel de profit illimité. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez trouver euh, les, euh, les, les détails pour rejoindre mon club Option Invest. Mais pour cette stratégie, vous n'avez vous probablement pas besoin parce que c'est juste un achat des options très simples. Mais dans tous les cas, avant d'intervenir sur le marché optionnel, il faut avoir euh, des connaissances parce que des erreurs peuvent coûter très, très cher. Et dans tous les cas, comme moi, j'investissais avec des options call. Cool et donc, donc s'il y a des, vraiment des événements absolument ingérable, comme par exemple, je sais pas, un, un, un événement majeur géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Je suis quelque part protégé par euh, mes options parce que je ne peux pas, je ne peux pas perdre plus que la valeur de la prime que je que j'ai payée quand j'ai acheté ces options call. Euh, sachant que si j'avais acheté euh, l'option, j'aurais pu perdre toute la ligne et ça, ça me coûterait vraiment très très cher. Donc je suis assez content de la stratégie, même si j'ai perdu de l'argent, mais j'ai perdu beaucoup moins que les personnes qui ont investi directement dans ces sociétés. Voilà. Donc, Et qu'est-ce que je fais actuellement Parce qu'ils ont baissé tellement que ça me donne envie un petit peu de reinvestir. Euh, J'ai pris des petites lignes, hein, franchement, sur euh, Alibaba, sur euh, Baidu, sur euh, les, les producteurs des voitures. en fait. D'ailleurs, Nio, que vous pouvez d'ailleurs voir euh, sur l'écran, qu'ils ont commencé à livrer leurs voitures en Suède. Vous savez, les pays nordiques sont toujours les premiers dans tout ce qui est euh, décarbonisation. Et donc, Nioh, en fait, il arrive en Europe, c'est déjà un bon signe. En tout cas, ce n'est pas un signe qu'il y a des tensions entre l'Europe et les États-Unis. Certes, il y a des tensions toujours entre la Chine et euh, les États-Unis, mais entre la Chine et l'Europe, peut-être il y en a un petit peu moins, comme on peut le voir. Et c'est quand même un bon signe. Pour l'instant, on, on ne peut pas dire avec une certitude que euh, les Chinois veulent euh, arrêter le faire du business avec les Occidentaux. Pour eux, ça représente quand même une énorme, énorme levier de chiffre d'affaires. Et je, ne, je pense qu'ils vont commencer à chercher une certaine solution, un amiable pour trouver une solution avec les États-Unis et euh, revenir quelque part dans, cette, dans ce dialogue international. Cela veut dire quoi Cela veut dire que la guerre en Taïwan, peut-être ce n'est pas pour tout de suite, j'espère en tout cas. Et en plus, ils ont vu un exemple de Vladimir Poutine qui, n'a, je pense, je pense que ça ne les encourage pas spécialement de faire la même chose. Et on peut éventuellement, euh, légitimement, se poser la question, est-ce que ce n'est pas le moment de commencer à prendre ces actions qui sont complètement massacrées en bourse euh, on parle, Si on parle des sociétés comme Judicom, comme Alibaba, comme Tencent, ce sont des valeurs qui génèrent beaucoup, beaucoup de cash. Et après, et c'est la catégorie A presque, parce que je ne peux pas les mettre dans la catégorie A parce qu'il y a un risque politique énorme. Mais s'il n'y avait pas de risque politique, évidemment, elle ferait partie de la catégorie A parce que c'est des copiers-collés de Amazon, de Google, respectivement. Et euh, par contre, les valeurs comme NIO, comme Lia Auto qui expingent, euh, c'est les voitures électriques. Ça, c'est la catégorie C et D. Donc, c'est beaucoup plus risqué. Ce sont des voitures de croissance, oui. C'est des valeurs de croissance également. Et euh, il faut évidemment ajuster votre positionnement par rapport à la catégorie de ces valeurs. Voilà. Donc, ça, c'est juste un petit passage que vous rappelez que les actions chinoises sont toujours très bas et probablement le risque géopolitique, est évidemment la principale raison des discounts que vous pouvez observer sur, euh, sur ces actions. Voilà, il y a encore une action chinoise que je voudrais voir aujourd'hui. Excusez-moi s'il y a des abonnés taïwanais. Bon, je ne sais pas comment dire parce que, bon, après, officiellement, c'est la Chine, mais dans les faits, c'est un pays euh, séparé. Évidemment, je n'ai aucune position politique par rapport à ce sujet. Mais Taïwan conducteurs, c'est vraiment le numéro un des conducteurs, C'est presque mon secteur préféré. Et donc, du coup, c'est une de mes entreprises préférées, euh, entreprise taïwanaise qui est au cœur du conflit entre la Chine et Taïwan. one. qui a une décote euh, systématiquement uniquement à cause de ça mais sinon c'est une entreprise de top niveau. D'ailleurs pour ceux qui sont abonnés euh, premium Mind de Cash, je, cette semaine je publie un article d'analyse approfondie de Taiwan Semiconductor. On a parlé de Warren Buffett qui a investi 4,1 milliards de dollars dans cette entreprise. Vous savez euh, toutes les entreprises comme Berkshire et Hathaway, ils sont obligés de publier leurs chiffres tous les trimestres à la SEC américaine dans la Security Exchange Commission et ça ça une grosse position sur Taïwan, ses méconducteurs au plus bas. Bravo, bravo, monsieur Buffett qui en général n'aime pas le secteur technologique, mais là finalement il a fait une exception. Je ne sais pas si c'est lui qui a décidé d'y investir ou ses collègues à qui il passe progressivement les rênes de son conglomérat. Et maintenant, euh, Taiwan Semiconductor fait partie de ses investissements Value, parce que c'est vraiment une icône d'investisseur Value. Et dans cet article justement euh, Premium que j'ai essayé de répondre à la question, est-ce qu'il a bien fait d'investir euh, dans Taiwan Semiconductor J'ai donné mon avis. Et j'ai aussi également vous donner mon avis par rapport à ma position sur Taïwan Semiconductor, si je l'achète, si je ne l'achète pas. Donc, rejoignez Premium, c'est dans la description à de cette vidéo, si ça vous intéresse d'avoir plus de détails de, de Taïwan Semiconductor. Euh, on va regarder rapidement les ratios, juste pour vous rappeler à quel point cette, cette société, elle est euh, intéressante. Euh, après, c'est très difficile encore une fois de peser le risque géopolitique parce que c'est vrai que Taïwan, c'est un pays démocratique, c'est un pays capitaliste, on peut facilement accéder à investir vraiment dans les entreprises. Taïwanaises, mais par contre, la question est-ce que la Chine va reprendre l'amant sur, sur l'île ou pas Ça, je ne peux pas vous dire. Donc, après, le ratio PE ici, malheureusement, c'est le ratio PE historique, donc 14, mais dans mon article, j'ai publié aussi le, le, la valeur forward. La valeur forward, elle est, je crois qu'elle est à 12, donc voilà, 12 PE pour le premier semi-conducteur au monde, c'est quand même top. Donc, price to sales, bon, c'est un petit peu cher, mais c'est. Mais c'est une société qui mérite largement une certaine prime. Les marges sont juste gigantesques. La marge brute, 57%. La marge nette, 42%. C'est vraiment un truc de fou. Vous pouvez voir les rentabilités, c'est juste incroyable. C'est même, Je crois que c'est même mieux que Google. Donc, c'est vraiment quelque chose de stratosphérique. La croissance, magnifique. La dette, faible. La, la société de trésorerie, le bilan, top. Après, le risque géopolitique. Est-ce que c'est chinois ou est-ce que ce n'est pas chinois C'est ça la vraie question quand vous décidez d'investir ou pas dans cette valeur. En plus, il, il euh, monte systématiquement le dividende qui reste quand même très très faible pour le moment. Voilà, donc euh, euh, Taiwan conducteurs. juste pour vous rappeler de ne pas oublier que cette valeur ne coûte pas cher. Vous pouvez voir sur le graphique, je vais vous montrer ça rapidement, que euh, probablement si ça vous intéresse, euh, ne pas rater cette opportunité si vous considérez que le risque géopolitique n'est pas peut-être un petit peu exagéré. Donc sur le long terme, au plus bas, on était à 61, donc là, c'est vrai qu'on a rebondi pas mal, mais dans tous les cas, nous restons largement, largement euh, décotés par rapport à ces niveaux récents. Voilà, donc ça, c'est juste une petite parenthèse sur, la, sur Taiwan Semiconductor. Maintenant, nous passons à la deuxième partie de cette vidéo où je voulais vous parler de la stratégie Short Squeeze et les informations que vous allez trouver sur mon site maindecache.fr. Je vous rappelle que dans, sur mon site, il y a une rubrique qui est complètement gratuite. Il ne faut pas avoir l'accès premium. Ça s'appelle la librairie où j'essaie de poster un petit peu des articles euh, théoriques, on va dire. Sur, et notamment, il y a un article sur le Short Squeeze. Ici, j'explique... Euh, euh, très brièvement, pour que ce soit rapide, pour que ce soit une lecture pour, euh, pour deux heures, qu'est-ce que c'est exactement, comment ce phénomène euh, se forme et comment nous pouvons en profiter. Après, dans les screeners qui, qui font partie de l'abonnement euh, premium, je publie régulièrement des actions qui, euh, qui sont, selon moi, peuvent profiter de ce phénomène de short squeeze. Après, qu'est-ce que c'est le short squeeze Et après, je vais vous expliquer comment je choisis ces actions, parce que c'est vrai qu'on peut trouver la liste des actions les plus shortées assez facilement sur le net, mais j'ai quand même d'autres filtres aussi que j'applique pour présenter à mes abonnés un mind cash premium. En fait, c'est quoi ce short squeeze déjà je vais vous présenter ce phénomène sur l'action très connue qui s'appelle GameStop, qui a justement subi ce phénomène il y a quelques temps. C'était en l'année 2021, je crois. Voilà. Et donc là, vous voyez ces, ces graphiques complètement euh, fous. Là, là, on a passé de, de 11 dollars jusqu'à jusqu 120 dollars. Donc, en quelques, littéralement en quelques jours, mais qu'est-ce que c'est passé Comment ça fonctionne ce short squeeze Donc, euh, parfois, les actions, les différentes entreprises, se retrouvent en difficulté. Ça peut être des difficultés temporaires, ça peut être des difficultés euh, plus euh, fondamentales, et tout le monde se met à shorter ces actions. Donc, shorter, cela veut dire quoi Ça veut dire on vend à découvert. Quand on va à, vend à découvert quelque chose, cela veut dire que on vend d'abord l'action, l'actif. Auquel, quel nom nous on possède pas et on prend l'engagement que dans quelques temps nous allons le racheter au prix du marché. Et donc, euh, forcément, quand vous avez vendu, quand vous allez racheter, si le prix entre temps a baissé, donc du coup vous allez racheter au prix inférieur par rapport auquel vous avez, vous avez vendu euh, cette action. Donc du coup, vous allez encaisser cette différence. Mais vu que la distribution des prix euh, de point de vue mathématique et statistique euh, elle est log normale et pas normale, cela veut dire que. Pour le prix d'action, il y a le minimum. Le minimum, c'est 0 et le maximum, il est infinie. Donc ça, ça s'appelle le log, no, log normal. Donc ça veut dire que quand vous sortez euh, un actif, pas forcément une action, vous prenez, bon en fait c'est plus les actions parce qu'il y a d'autres actifs qui peuvent avoir des prix négatifs, on l'a vu sur les futurs de pétrole d'ailleurs il y a quelques années, mais sur les actions, le prix minimal que vous pouvez avoir c'est le zéro, donc vous ne pouvez pas perdre plus que toute, la... toute votre ligne. En revanche si vous shortez une action et s'il va faire x10, dans ce cas là vous pouvez rester redevable à votre broker. Je vous donne un exemple très, très simple, en fait si, je... si, on... si on reste sur le GameStop, si vous avez par exemple vendu à 14 ou 15, vous avez vendu un gros lot. Et finalement, l'action, il, il, il a fait X10 en quelques jours. Donc, ça veut dire que vous devez. Euh, vous, en fait, vous êtes banqueroute, en fait, vous êtes en faillite parce que vous allez devoir rembourser à votre broker une somme gigantesque parce qu'il faudra faire face à votre engagement de racheter cette action au prix de 120 dollars. Donc, si votre position est grosse, euh, vous êtes vraiment dans la merde. Excusez-moi de cette expression. C'est pour ça qu'on dit qu'être shorté, c'est toujours risqué sauf si vous passez par des options. Quand si vous passez par des options, vous achetez une, une option put, vous n'êtes exposé que au montant de la prime. C'est pour ça que pour toutes les stratégies spéculatives, moi personnellement, je préfère les options. C'est pas parce que je veux vous euh, motiver de rejoindre mon club Option West, je veux bien sûr le faire, mais c'est pas pour ça que je le dis aujourd'hui, c'est que c'est tout simplement moins risqué de faire certaines opérations avec des options que les faire en direct. Donc, mais en revanche, il y en a toujours beaucoup de personnes qui vendent, vendent à découvert les actions et euh, ils vendent aussi également les produits dérivés pour shorter tel ou tel produit. En gros, il y a un paramètre que vous pouvez trouver assez facilement sur les marchés, c'est ce qu'on appelle le floating short, notamment sur la ressource assez connue qui s'appelle Finvis, vous pouvez assez facilement trouver combien de short, quel est le pourcentage de positions short actuellement sont ouvertes par rapport à toutes les positions qui existent sur le marché. Ça s'appelle le short float. Et ça, c'est quelque chose que j'explique dans mon article ici. Donc là, je ne vais pas trop rentrer en détail. Si ça vous intéresse vraiment, je pense que vous allez le lire. Euh, grosso modo, ça montre à quel point cette action, elle est shortée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et dès que vous voyez une, une action qui a un short float de, de 40%, cela veut dire que... 40% de positions ouvertes par rapport à cette action sont des positions short. Ça veut dire potentiellement ces ces, les personnes qui ont ouvert ces positions peuvent retrouver justement dans cette merde que vous pouvez voir sur votre écran. Et dès que le cours de bourse va commencer à exploser à la hausse, le broker, elle va faire quoi Il va dire ah tiens tiens, ce mec détient une grosse position short sur cette action qui fait X2 tous les jours. Elle va tout de suite dire qu'il faut que tu vends immédiatement toutes les actifs, tous les autres actifs que tu as pour faire face à tes engagements. Il y a une notion, ce qu'on appelle l'appel de marge. On ne va pas trop rentrer en détail parce que bon, ce n'est pas complexe, mais ce n'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Il y a quelque sorte, si vous commencez à perdre trop sur une position comme ça, sur une position short, votre broker peut vous exiger de fermer cette position à n'importe quel prix, au prix du marché. Et donc, c'est ce qui se passe en général sur, dans les cas comme ça, comme le cas de GameStop que vous voyez, quand l'action commence à flamber et vous êtes short, votre broker vous oblige, non, monsieur, vous avez perdu trop, fermez tout de suite cette position, vous fermez au pire prix possible du marché. Et donc, quand vous fermez cette position short, vous faites quoi Vous achetez. Et donc, du coup, vous alimentez encore plus ce mouvement haussier, et du coup, ça crée une progression géométrique. Donc, du coup, plus, plus ça monte, plus il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation des appels de marche plus de personnes sont obligées de clôturer leur position en rachetant leur position, et ça rajoute encore du volume d'achat sur une action. Si l'action n'est pas très liquide, comme c'était sur GameStop, bon, elle était liquide, mais pas, vous savez, ce n'est pas une liquidité comme l'action Google ou Microsoft ou je ne sais pas laquelle, mais dans tous les cas, ça crée ce phénomène d'une progression géométrique quand tout le monde commence à racheter, 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 et du coup, l'action flambe à des niveaux absolument stratosphériques. J'aime bien cette stratégie tout simplement parce qu'elle est fondée sur des faits, en fait, sur le fonctionnement, sur le mécanisme boursier. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, il n'y a, a, a pas de subjectivité. Donc, si vous arrivez à choper une action qui se trouve dans ce fameux short squeeze, vous allez sans aucun doute gagner et gagner très rapidement de l'argent. Donc il ne faut pas non plus croire que c'est un graal qu'on va, on va gagner à chaque fois qu'on voit le short float important. Parfois, le short float, il, est, il peut être pour des bonnes raisons et peut-être qu'il n'y aura pas des personnes qui vont commencer à racheter des actions et il n'y aura pas d'une situation qui va à provoquer ce, ce, ce mécanisme. Parce que peut-être, il va rester avec des champs de flotte énormes et, et crever jusqu'à zéro. Ça, ça peut arriver aussi. Et c'est pour ça, il faut quand même gérer le risque. Mais par contre, si ça arrive, si cette action euh, commence à, à monter, par exemple, suite à une publication moins euh, mauvaise que prévue, c'est très simple en fait. Par exemple, quand l'action, euh, tout va mal pour l'action, une moindre bonne nouvelle suffit pour que l'action explose. Et quand l'action explose, ça va générer ce phénomène euh, d'une de, chaîne euh, des rachats euh, des shorts qui, va, qui peut l'envoyer vers, euh, vers l'infini. Et vous pouvez faire des profits très rapides. Je n'ai pas envie d'apparaître de, 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 comme quelqu'un qui vend des stratégies euh, pour devenir un millionnaire en deux jours. Vous savez très bien que la chaîne Maine du Cash est la plus orientée à des investisseurs classiques. J'ai plutôt une casquette prudence sur ma tête généralement, mais cette stratégie, je pense qu'on peut la considérer tout en restant prudent si dans votre sélection d'actions, il s'agit des actions qui vous intéressent à la base. Ça, c'est un point très important que vous pouvez, dans votre liste des actions avec le short float important, il y a probablement des actions que vous personnellement, dans votre stratégie patrimoniale, vous trouvez pas mal. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que j'ai décidé de faire le screener short squeeze dans, dans l'abonnement premium, où je fais une sélection des actions que moi je trouve, moi, moi personnellement, évidemment, il y a un côté subjectif dedans, que moi je trouve ont du potentiel à long terme et qui peuvent profiter justement d'une moindre bonne nouvelle pour rebondir très fortement en provoquant... Ce phénomène de short squeeze. Vous voyez, ce n'est pas juste une question d'aller sur Google et regarder quelles sont les actions les plus shortées au monde. Vous allez avoir plein d'actions euh, que vous n'avez jamais entendu parler, les actions à la con qui sont en train de crever en bourse. Euh, ce n'est pas une raison suffisante pour y investir parce que peut-être ils vont juste crever et voilà, vous allez tout perdre. Et euh, le but, c'est de quand même appliquer cette stratégie du trading, stratégie spéculative pure, stratégie risquée, uniquement par rapport à des actions que si je vous trompais. Si vous vous trompez dans, dans votre choix, ce n'est pas une catastrophe. Donc, vous devez toujours partir du principe que moi, j'investis dans des actions qui sont à la base mon intérêt, vous mettez une petite somme, parce que ici, le rendement risque, il est en votre faveur. Parce que si vous investissez, genre, une petite somme, disons 500, 1000 euros, un truc sur une action, euh, peut-être pas GameStop, mais sur une des actions que je vous montrais tout à l'heure, peut-être légitime de dire que. Même si ça marche pas, ou OK, tant pis, j'ai perdu 500 euros, ça arrive. Euh, si, elle, si elle fait défaut, bon, il faut encore qu'elle fasse défaut. Ce n'est pas, euh, pas tous les jours que les sociétés font défaut. Mais euh, si elle repart, vous allez faire genre, euh, facilement X5, X10 parfois même, s'il si s'agit de petites actions, avec ce phénomène de short squeeze. Donc moi, je pense que c'est assez intéressant en tout cas de avoir, connaître en fait cette stratégie. Connaître que cette stratégie existe et probablement, ça ne va pas nécessairement dire que ça ne vous convient pas. Si ça ne vous convient pas, si ce n'est pas dans votre esprit d'investissement, vous n'allez pas le faire, mais c'est je pense que c'est important de connaître les instruments, connaître les outils qui sont à votre disposition. Et voilà, et maintenant je vais vous montrer les screeners de short squeeze que je publie pour mes abonnés premium. Voilà, maintenant je vais vous montrer le screener que j'ai mis à jour cette semaine pour mes abonnés premium. Je rappelle que je suis toujours dans une période de commercialisation des, abonnés, des abonnements qui ont été lancés il y a quoi, il y a déjà trois mois. Le temps passe, le temps passe vite. Aujourd'hui, je présente le screener de short squeeze pour vous montrer justement le principe et les cinq valeurs que j'ai choisies pour euh, qui ont le short float très important sont les suivantes voilà la première action c'est Upstart Holding Upstart Holding je pense que vous la connaissez c'est une entreprise qui a fait beaucoup parler d'elle c'est la tech très populaire elle avait Cathy Woods qui était investie dedans et dans ma sélection je choisis uniquement des valeurs qui sont assez hype qui ont du potentiel qui ont euh, des profits. Je préfère ceux qui ont des profits, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais dans tous les cas, les, les actions dont les noms euh, parlent à des investisseurs. Parce que vous savez, je, il y a des listes comme ça avec des short squeeze, mais dedans, il y a à boire et à manger. Donc, il y aura beaucoup de valeurs que vous n'avez jamais entendu parler. Et je ne dis pas que c'est une bonne idée d'y investir, même si, euh, effectivement, le phénomène short squeeze peut se produire sur n'importe quelle valeur. Ici, je préfère me concentrer sur des valeurs qui peuvent avoir du potentiel. upstart. là, je vais vous montrer, c'est une valeur discutable, je ne dis pas, en fait. Si ça ne sera pas des valeurs comme Taiwan Semiconductor que nous vu tout à l'heure. Ce n'est euh, pas pareil. Ce sont, des, ce sont des valeurs, évidemment, qui ont des problèmes. Mais est-ce que ces problèmes sont graves Est-ce que ces problèmes sont tant possibles à résoudre Ça, c'est à vous de voir. Donc là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut acheter absolument ces valeurs-là. Voilà. Euh, il y a un autre point que j'ai oublié de mentionner, c'est que... En plus, ceux qui font partie de mon club Option Invest, euh, il est encore plus intéressant d'implémenter cette stratégie avec des options. Parce que si vous achetez en direct euh, cette action ou n'importe laquelle qui, euh, qui a du potentiel de short squeeze, vous... Risquez quand même de perdre toute la ligne parce que ce sont des valeurs avec des problèmes. Parce que s'il n'y avait pas de problème, il n'y aura pas de short, c'est logique. Parce que si c'était des belles valeurs, personne ne les shorterait. Mais avec des options, vous avez une double protection en quelque sorte. Parce que euh, non seulement vous pouvez profiter de ce short, phénomène de short squeeze, mais aussi votre perte elle est limitée à votre prime. Donc si vous euh, maîtrisez les options ou bien vous voulez apprendre à les maîtriser penser à implémenter cette stratégie avec des options call. C'est ce que moi, je fais d'ailleurs. Je ne fais que avec des options. Cette stratégie de short squeeze, je ne le fais jamais en direct. Voilà, start elle est dans une situation particulière. Vous voyez le, le PE ratio qui est absolument fou, mais il n'était pas comme ça dans l'exercice précédent. Il y a un, un événement extraordinaire, en fait, qui ne se passe pas tout, tout, tout le temps, ou qui a endommagé normalement les ratios actuels start C'est une des raisons principales pourquoi elle a chuté tellement. Après, le price to sales reste très faible. Et euh, les euh, les rentabilités ont chuté cette, euh, pour cet exercice en cours. Mais vous pouvez voir que les rentabilités moyennes sur 5 ans, elles étaient plus que Donc, euh, retour dans nos on avait 12 on avait presque 8 en moyenne. Euh, si on tient compte de la dette. Par contre, la dette, elle est importante. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage pour cette entreprise. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne fait pas partie de mon liste d'achats. Ce n'est pas l'entreprise que moi, je préfère. Euh, c'est justement à cause de la dette parce que ce n'est pas une entreprise de folie. En revanche, euh, au niveau du cash, ils n'ont pas de problème. Vous voyez, quand vous regardez le courant de ratio, il fait, euh, donc les actifs euh, liquides euh, de, du cash, en fait, euh, ou les cash équivalents, euh, sont de 20, 21 fois supérieurs aux engagements à court terme. Donc, il y a des chances que cette entreprise n'est pas au bord de la faillite quand on voit ce ratio à ce niveau-là. Donc c'est assez rare qu'on voit le cours en ratio aussi élevé. Voilà, grosso modo, cette entreprise, elle est endettée. Il a un problème qui est probablement temporaire, je ne sais pas, c'est à vous de creuser si vous voulez y investir. Mais, euh, mais en tout cas, les chiffres actuels pour l'exercice en cours sont, sont mauvais. Mais est-ce qu'ils vont être aussi mauvais pour les prochains exercices Ça, c'est une question qu'on peut se poser. En décidant si on veut ouvrir cette ligne ou pas. Voilà. Et ici, dans ce tableau que je publie pour mes abonnés, il y a évidemment le short float. Donc, ça, c'est 42%. C'est énorme. Et réussi pour voir le momentum technique. Est-ce que c'est intéressant ou pas Le prochain support. Et je publie également les différents phénomènes. Altman Z-score, c'est la probabilité de la faillite de l'entreprise. Il y a une vidéo sur la chaîne Money de Cash sur Altman. Donc, là, vous pouvez voir. Ben score c'est. Euh, le ratio qui permet de donner la probabilité de manipulation comptable. Vous savez, j'ai pas mal d'infos quand même. Euh, Dettes contre euh, capitaux propres, 126. Bon, c'est les chiffres qui est légèrement différent par rapport à euh, ce qu'on a vu sur Investing. Euh, Forward PE ratio, vous voyez, 12, c'est euh, par rapport à 290 qu'on a vu tout à l'heure, euh, c'est différent. Donc, c'est pour ça qu'il y a un phénomène. Euh, extraordinaire dans cet exercice en cours et courant ratio 21 qui signifie que quand même l'entreprise elle est, euh, il a quand même du cash pour survivre à court terme. Par contre, la baisse c'est quand même très important à voir que la baisse depuis les plus hauts de 96 euh, quand on voit les baisses comme ça, euh, souvent ça signifie qu'il dit que c que ça cran quand même parce que là c'est souvent les valeurs qui en tout cas, de point de vue configuration technique, ça ressemble à une faillite. Voilà. Mais ça, vous savez, vous êtes tout le temps dans des situations comme ça si vous voulez implémenter short flow, la, la stratégie de short squeeze. Parce que short squeeze, euh, par définition, vous positionnez sur des valeurs euh, qui ont des problèmes, en espérant que le rendement potentiel sera énorme. Après, il faut juste choisir la bonne valeur. Euh, qui va vraiment bénéficier de ce phénomène. Beyond Meat, voilà, ça c'est si vous êtes euh, sur Telegram, j'ai publié ma position. Euh, j'ai pris avec des options call, c'est pas une grosse euh, position que j'ai prise, hein, c'est vrai. En fait, je prends jamais de grosses positions sur cette stratégie parce que le potentiel il est tellement important que il me suffit de pas grand-chose en fait pour euh, déjà me rentabiliser. Même avec une petite somme, je peux très bien euh, y aller euh, parce que je sais que si jamais ça marche, dans ce cas-là, ça va faire des gros profits par rapport à ce que j'ai investi. Et si jamais ça ne marche pas, de toute manière, je vais perdre, mais j'essaie de minimiser la perte en prenant la position limitée. Donc ici, Altman z score, elle est mauvaise. Beneshem score, bon, bon il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus très, très terrible. Mais c'est une, une action de la catégorie D, donc il n'ont pas de chiffre d'affaires, ils sont en perte, vous connaissez Beyond Meat, c'est la viande végane qui était aussi un petit peu l'action hype il y a un an et demi. Moi, il y en a eu beaucoup d'actions, il y a un an et demi, donc ce n'est plus, plus trop le cas. Allogène, Allogène par exemple, ça, c'est la biotech. Moi, j'aime beaucoup. Ils travaille sur les euh, technologies allogéniques pour lutter contre le cancer. J'en ai parlé il y a quelques années. J'avais je, je cette, cette valeur dans mon, mon portefeuille. Euh, typiquement, ça, c'est en Paris, euh, on va dire. Euh, Presque en style private equity, ça marche ou ça marche pas, c'est une start-up. Si ça marche, dans ce cas-là, ça va être une prochaine catégorie A probablement, mais est-ce que ça marche Donc il faut évidemment, c'est un petit peu comme toutes les biothèques de la catégorie D, c'est un pari presque aléatoire, vous croyez, vous ne croyez pas. Je sais que les fondateurs de Halogène sont, 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 ont déjà réussi avec une autre société. C'est les anciens de Biogène, je crois. Ils, ont fait vraiment des, des, ils sont experts dans tout ce qui est lutte contre le cancer. Et ils ont maintenant, ils lancent un nouveau startup avec des, des technologies halogéniques. Elle est aussi presque à 40% de short flow, donc du coup il y a beaucoup de potentiel pour la hausse. Et sur les biotech, vous savez, c'est vraiment probable, parce qu'il suffit qu'il y a une moindre bonne nouvelle du style, genre ils ont réussi à passer une molécule, une phase de une à phase 2, que ça ne va pas forcément dire grand-chose, tout de suite l'action va exploser et tout de suite vous allez bénéficier de ce short float. A voir, mais est-ce que ça va arriver Est-ce qu'ils vont réussir Est-ce qu'ils vont au contraire nous dire que non, notre essais ont montré que tout, tout ce qu'on fait, c'est de la merde ça, on ne peut pas le savoir. Donc, euh, moi, je ne suis pas expert dans la, dans la biotech, j'ai lu juste des rapports. Je m'intéresse quand même à ce secteur. Surtout du point de vue éthique, j'aime beaucoup d'investir dans les entreprises qui luttent contre le cancer. Moi, j'aime bien. Après, Rocket Companies, euh, ce n'est pas une société que je connais très bien. Je l'ai vu parce que c'est pour le financement immobilier aux États-Unis. L'immobilier est en difficulté, donc forcément, l'action, elle est shortée. C'est une action de catégorie B, elle gagne de l'argent, c'est pas n'importe quoi, et euh, c'est une action pas très chère, et elle euh, en fait dans toute cette liste, c'est peut-être celle qui est la moins risquée, et pourtant elle baisse, et pourtant le short flow est important, et euh, si ce secteur vous intéresse, vous pouvez éventuellement regarder dans cette direction. Et Blink Charging aussi, c'est une action que elle est dans ma liste des voitures électriques. Euh, pardon, ici j'ai un petit, j'ai un petit problème, oublié de mettre à jour le, le secteur. Ce n'est pas le financement immobilier, évidemment, euh, c'est le chargement pour les voitures électriques. Donc vous, pourrez, vous pouvez aller voir que Altman Z-Score, elle est à 3. D'ailleurs, c'était une, une découverte quand j'étais en train de mettre à jour ces screeners. Pour moi, d'ailleurs, euh, chaque fois quand je fais des mises à jour des screeners pour premium, ça me donne des idées encore d'investissement. Euh, Et Blink Charging, ça, fait, ça, ça faisait partie de ces idées. Parce que Altman Z-Score, euh, probabilité de la faillite, il est très bon. Dès que c'est supérieur à 1,8, ça veut dire qu'il a la, la, fa, la faillite est peu probable. Euh, Benchmark score, il est, il est aussi correct en fait, même s'il n'est pas il est dans la zone un peu moyenne. Donc normalement, il n'y a pas de, de manipulation de la compta. Euh, il n'y a presque pas de dette, ce qui est très rare pour ce secteur. Donc vous voyez, c'est pas, pas mal. Courante ratio, il n'est pas comme 21, comme chez Upstart, mais 2,6, euh, 2,65, c'est quand même pas mal pour une entreprise de de, de voitures électriques voilà et mais par contre le short float vous avez que 28% de, bon c'est le potentiel du pour le short squeeze voilà euh, moi je pense sérieusement effectivement je vais peut-être implémenter en plus à Beyond Meat la stratégie sur Blink Charging parce que c'est vrai qu'elle peut repartir sur une moindre bonne nouvelle partir très fort et très haut sur euh, dans un, dans ce secteur qui est actuellement très hype et ce secteur sur lequel moi je souhaite d'être présent. voilà pour résumer mes amis le short squeeze c'est quoi c'est une stratégie qui peut effectivement faire des profits très rapides mais c'est pas en graal c'est pas rien n'est garanti la société peut très bien faire faillite. Et il faut consommer avec modération, comme on dit parfois dans certains contextes. Et euh, il ne faut pas prendre n'importe quoi. Et si ça vous intéresse, euh, je vous conseille vivement de s'orienter à des entreprises qui vous intéressent à la base. C'est des entreprises qui, que vous voulez avoir dans votre portefeuille. Surtout, ne prenez pas n'importe quoi. La liste que je vous ai présentée, ça, ça c'est ma liste objective, subjective, pardon, au contraire. Euh, Peut-être vous allez avoir une autre liste, mais dans tous les cas, moi, j'ai choisi les actions que moi, je trouve assez intéressantes, qui ont du potentiel euh, dans le futur. Peut-être elles vont faillite, peut-être pas, mais s'ils ne vont pas faire faillite, ils ont quand même de l'avenir devant elles. Et surtout, si vous avez l'accès aux options, implémentez ça avec des options call, c'est beaucoup plus sécurisé. Si vous n'avez pas l'accès aux options, dans ce cas-là, il faut être très modéré en termes de taille de la position par rapport à la taille globale de votre portefeuille. Voilà mes amis, j'espère que ça a été utile. N'oubliez pas de mettre un like pour cette vidéo. Désolé encore une fois pour des problèmes de son. J'espère que c'est quand même, ça sera quand même plus agréable que la dernière vidéo de café de dimanche. Je vais euh, améliorer un petit peu mon matériel. J'espère que pour la prochaine fois, bon peut-être pour la prochaine fois, je n'aurai pas encore le temps pour euh, remplacer mon micro. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas de mettre en like. Partagez cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse, à la finance. Ça m'aide énormément euh, aussi pour le référencement. Et euh, laissez des commentaires, posez des questions dans les commentaires. J'essaie de répondre à toutes les questions que vous me posez dans les commentaires. Je vous attends sur euh, euh, mainducache.fr, Club Premium si ça vous intéresse ou les options. Allez, à très bientôt et passez un bon dimanche. Bye bye.